Aujourd'hui, on va parler des noms. Les noms. En français, il y a deux noms. Nom commun et nom propre. Nom commun et nom propre. Si je dis nom propre, je dis Ahmed, Tunis, Bizerte, Paris, ce sont des noms qui commencent toujours par une majuscule. Et les noms communs? Ce sont des noms qui commencent par un, une, le, la, comme une table. Les élèves. Notre maîtresse. Chaque nom ici se compose de deux mots. Une table, les élèves, notre maîtresse. Une ou les ou notre, ce sont des déterminants. Des déterminants. Aujourd'hui, on va pas des déterminants plus un nom, plus nom. Une plus nom. Les plus nom. Notre plus nom. Un déterminant plus un nom. Aujourd'hui, on va voir les déterminants. Les déterminants, ce sont beaucoup. On les partage par des catégories. La première catégorie, vous le connaissez très bien. Vous avez un, une, au pluriel on dit des, le, la, les, et il y a l' apostrophe qui va avec le masculin et le féminin. Ce sont des articles, on appelle des articles. Puis, les déterminants qui parlent de l'appartenance qui appartient à moi, à toi et à lui. À moi, je dis mon stylo, ma trousse, mes affaires. Ton tablier, ta règle et tes affaires. Son, ça, c'est ce qui appartient à lui. Alors, ce qui appartient à nous, on dit notre, à vous, votre, à eux, je dis leur, au pluriel, nos. Vos, leur, à la fin S. Celui-là, ce sont des déterminants possessifs. Des déterminants possessifs. Bien. Puis, je vais montrer quelque chose. Je dis ce stylo. Ce. Cet arbre, cette fille, ces garçons. Alors, ce pour le masculin, cette pour le masculin aussi, mais le masculin qui commence par une, non, masculin qui commence par une voyelle, qui commence par une voyelle. Comme cet oiseau, cet élève, cet arbre, c'est pour les noms féminins, c'est au pluriel. Ces déterminants s'appellent les déterminants. Ce sont des déterminants démonstratifs, puisqu'on montre, hein,
des déterminants. Démonstratif. Il me reste maintenant les nombres. Je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Ce sont des déterminants numéros. Des déterminants numéros. Ce sont des numéros. Alors, vous pouvez maintenant pratiquer ces déterminants dans deux exercices que je vous propose. Et merci. Voilà.